Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec la boutique Gutfeld. Donc, vous connaissez cette boutique, ce n'est pas la première fois que je fais un partenariat avec eux. J'adore cette boutique et donc ils m'ont contacté pour me proposer de choisir quelques articles dans les nouveautés. Bien entendu, j'ai pas pu refuser. J'aime tellement cette boutique et ils avaient tellement des belles choses pour Noël que j'ai craqué. Et ça a été quand même assez rapide hein, pour l'envoi. Ça a dû mettre entre 10 et 15 jours. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique Gutfeld. S'il y a un code promo, je vous le mets aussi en barre d'infos. Et donc, on va découvrir ceci. Avant, je voulais les remercier encore une fois de m'avoir envoyé des belles choses. Donc, j'ai pas pris de toile, mes femmes. Mais voilà. J'ai pas pris de toile. J'ai fait ça. Voilà. En ce moment, c'est plutôt des objets. J'ai plein de toiles. J'en ai même trop. Je n'arrive pas à les faire. Et là, j'avais vraiment envie de faire plein d'objets de Noël. C'est ce qui me plaît en ce moment, du coup, je privilégie Noël, ne vous inquiétez pas, le reste, je le ferai après. Mais là, j'avais vraiment envie de faire, j'ai vraiment envie de faire des petits objets de Noël. Donc, on va commencer avec, et ça ne vous étonnera pas, j'en ai déjà testé un, alors du coup, je ne sais pas si vous avez la vidéo ou pas. J'en avais pris un chez un autre partenariat et là j'ai craqué sur ceci là par contre j'ai pas les diamants alors ça je vais leur envoyer un mail pour leur dire, pour leur signaler, mais je n'ai pas de diamants. Donc, c'est un sac pour les bouteilles. Donc, comme vous pouvez le voir. Voilà. Hop. Ça colle super bien, mais il n'y a pas les diamants. Là, j'avoue, je suis un peu déçue. Mais bon, je vais leur dire et je suis sûre qu'ils m'enverront les diamants. Après, je regarde, mais je ne pense pas avoir ces couleurs. Ça, j'ai pas tout ça. Bon, je vais les contacter pour leur dire. Donc, bien sûr, il y a le kit de base. Alors ça, moi, j'aime beaucoup parce que c'est très original. C'est des idées cadeaux quand on va chez les gens ou quoi, pendant les fêtes. C'est super facile à faire, très rapide à faire et c'est vraiment pas cher. Donc, c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Mais bon, avec les diamants, c'est mieux. Mais bon, je suis sûre que c'est un oubli. Ça arrive. Comme ça, en plus, je verrai comment ils se comportent hein, quand il y a des problèmes comme ça sur les commandes. Mais je suis pratiquement sûre qu'il n'y aura pas de soucis. Ensuite, on reste dans le même esprit. J'ai craqué sur un petit sac. Non, je regarde si je ne les ai pas fait tomber par hasard. Ah, là, il y a les diamants. Donc, c'est des petits sacs cadeaux. Voilà. Alors, il y en a vraiment plein. D'ailleurs, le sac à bouteille, pareil. Il y en a beaucoup de modèles. Et là, pareil. Voilà. J'ai craqué dessus. J'ai trouvé ça trop joli. Et je pense que j'en prendrai d'autres. Donc, ça colle super bien. C'est super bien imprimé. Alors, pareil, il y a plein de motifs. Désolée pour mes mains, mais je viens de finir un album photo et j'ai de l'encre partout. Nous avons le kit de base comme d'habitude. Et on va regarder les diamants, ils sont magnifiques. Alors, c'est mes chouchous. On a les blancs comme ça, là. Ils sont trop beaux. Nous avons des rouges, des blancs AB, ils sont trop beaux. Des jaunes et des marrons. J'adore ces couleurs. Donc, bien sûr, il n'y en a pas trop, hein, puisque c'est petit.
Donc ça. Hop, hop. Donc, je le ferai et je vous donnerai mon avis. Ce que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Le sac comme ça. Du coup, vous voyez comment on fait. Donc, je le ferai hors caméra et je vous donnerai mon avis. Pareil, dans le même esprit, j'ai craqué sur une botte de Noël. Bah oui, forcément, j'ai pas pu résister. C'est tout à fait l'esprit de Noël. Alors, pareil, il y a plusieurs modèles. Il me semble même, je dis pas de bêtises, mais je crois que même vous les avez par une, par deux, par trois. Donc, et il s'agit d'une botte en tissu. Et là, c'est de la feutrine. C'est tout doux. J'adore. Non, pareil, moi, j'ai choisi le Père Noël. Mais bon, après. Et c'est magnifique comme c'est pailleté. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Mais c'est super pailleté. Il y a plein de paillettes dorées. Ça brille, c'est magnifique. Franchement, je suis trop contente. Je ne sais pas si vous allez le voir. Là, peut-être si j'enlève le papier. Non, vous ne voyez pas. Désolée. Donc, on va regarder. Ça colle super bien. Non, franchement, je l'adore. Il est trop beau, ce Père Noël. Nous avons un kit de base avec la barquette, le stylet, la colle et des sachets. Et on va regarder ensemble les diamants. Pour les diamants, nous avons mes chouchous, les blancs AB, les jaunes AB, des strass transparents et des strass rouges. Ensuite, nous avons des yeux de chat transparents AB, ils sont magnifiques, des jaunes AB. Des petites étoiles, elles sont trop choues. J'adore. Et des demi-perles blanches AB. Donc, franchement, t'as trop de le faire. Je crois qu'on va le faire assez rapidement. Pareil, comme c'est un peu le même principe que le reste, je le fais et je vous donne mon avis après. Si j'y pense, je vous remettrai par là la vidéo du sac. Je fais bouteille, comme ça vous verrez comment on fait si vous voulez voir. Mais, je suis trop contente, c'est trop joli. Franchement, c'est top. J'adore comme ça. Et pour finir, puisque là j'ai pris 4 articles, pour finir, j'ai craqué sur une. Et il fallait bien que ça arrive. Celles qui me connaissent, ça ne les étonnera pas que j'ai craqué. Juste que j'arrive à l'ouvrir. Donc, il s'agit, oui, d'une couronne. Alors, ça faisait un petit moment que je disais, faut que j'en prenne, faut que j'en prenne. Puis chaque fois, j'en prenais pas. Donc là, j'ai choisi celle-là. Donc, hop. Elle colle super bien. Donc, c'est plein de... Je sais plus comment elle s'appelle, les fleurs de Noël. J'essaie de vous enlever la lumière. Donc, c'est comme du plexiglas. C'est transparent. Et il y a quand même énormément à diamanter. Et c'est une couronne lumineuse. Donc, nous avons la petite lumière. Voilà, donc c'est les basiques comme d'habitude. Et qu'on va venir mettre tout autour. Et après, comme ça, elle sera allumée. J'ai craqué dessus, j'ai dit, ah ben, si on va le tester, j'ai jamais fait. Peut-être que celle-là, on la fera ensemble, on verra. Alors, il y a le kit de base avec des sachets. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au milieu, on peut accrocher... un Père Noël. Voilà. Donc, on le met au milieu. Hein. Comme ceci. Hop.
Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup beaucoup aimé le principe. Et en plus, nous avons une petite botte de Noël à diamanter, pareil. Et là, on peut en faire un porte-clés. Voilà. Alors, je pense que moi, vu que j'ai des mousquetons de vrais porte-clés, je mettrai un vrai. Mais après, vous avez aussi la petite chaîne. Ah oui, d'accord, ça doit être pour mettre la botte et... À mon avis, ça doit aller ensemble. C'est pour attacher la botte avec le mousqueton. Voilà. Mais bon, ça, je pense pas m'en servir. Je pense que je me servirai d'un mousqueton. Et pour accrocher ici, nous avons une chaîne dorée. J'aime beaucoup la maille. Elle est très, très belle. Je sais pas si vous allez la voir. Non, j'arrive pas à faire la mise au point. Et nous avons les embouts. Voilà. Donc ça se clippe là. Hein. Je le fais pas maintenant, mais parce qu'avec la chance que ça se clippera ici et ici. Et comme ça, on peut le suspendre. Donc ça, que je perde rien. Hop. Et nous allons regarder les diamants. Je suis trop contente. Je pense qu'on la fera rapidement. Hein. Alors, il y a quand même pas mal de diamants. Nous avons des strass jaunes, des diamants blancs, des blancs AB. Ils sont magnifiques, c'est mes chouchous. Du vert, encore du vert, du rouge, du rouge, du rouge. Et là, c'est plutôt un peu rose. Du jaune un peu doré et du jaune. Voilà, il y a plusieurs sortes de jaune. Oui, il y a trois sortes. Donc, ensuite, nous avons des demi-perles assez grosses dorées, des jaunes plus petites AB et nous avons des rouges. Donc voilà, bon ben on va se mettre au travail assez rapidement. Voilà. Parce que moi j'aime énormément. Hop. C'est top. Je suis trop 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 contente. Alors il me semble qu'il y avait d'autres modèles hein, comme ça. Moi j'ai craqué sur celui-là, mais il y a plein de modèles. J'ai pris celui-là parce qu'il y en avait un autre qui avait, mais je crois qu'il me semble qu'il va arriver en partenariat aussi. Du coup, c'est pour ça que moi j'avais choisi celui-là plutôt que l'autre. Mais bon, c'est à voir. Donc voilà pour mes futurs projets. Bon, en espérant qu'il me renvoie les perles là, parce que les diamants, parce que sinon ben, c'est un peu bête, parce que du coup je pourrais pas le faire. Non, mais je vous dirai dès que quand je ferai les produits si. Mais je pense qu'ils vont me les envoyer. Le problème c'est que ça risque d'être un petit peu long. Donc voilà. Mais bon, sinon. J'essaierai de faire autrement puisque j'ai quand même pas mal de diamants. C'est juste que là, du coup, ouais, je sais pas ce qu'il faut. Mais on trouvera bien une solution. Je vous tiens au courant de toute façon. Je voulais vraiment remercier Gutsell parce que j'adore ses produits. J'aime beaucoup cette boutique. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir de tester leurs produits. Pardon. Donc là, on va tester tout ça ensemble. Et puis voilà, et donc je vous donnerai des nouvelles. Je vous mets le lien des articles que j'ai choisis en barre d'infos, mais n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur leur boutique, car il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix et de belles choses, et c'est pas cher, donc allez voir si cela vous intéresse. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.